Bonsoir Mathias, comment vas-tu? Merci beaucoup pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi, enchanté de te rencontrer Mathias. Donc je vais juste faire une petite introduction pour les gens. Je pense que pas mal de gens te connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, Mathias Coureur, 12 clubs, 6 pays. Je vais même rajouter un petit pays parce que c'est Carré Sport, la Martinique. Donc si on considère la Martinique comme un pays, donc ça fait 7 pays, mais bon. On va rester dans les Nords, 6 pays. Enchanté de te rencontrer pour la première fois, Mathias. Parle-nous un peu de toi. Ton confinement, comment se passe ton confinement? Est-ce que déjà j'ai bien décrit? Au fait, joyeux anniversaire, hein. C'est que ça remonte à peine d'une semaine à peu près. 32 ans aussi. Je répète, 12 clubs, 6 pays. Parle-nous un peu de toi, Mathias. Comment vas-tu? Comment ça se passe le confinement? Bah moi ça va. Moi ça va. Bon, après le foot ça manque. C'est un peu compliqué. Mais bon, D'accord. ça permet de faire plein d'autres choses, le confinement. Donc j'essaie de profiter de ce temps pour faire plein d'autres choses. C'est un mal pour un bien. Ça fait combien de temps, depuis combien de temps que t'es en confinement? Et t'es où? T'es en Bulgarie là, c'est ça? Ouais, là je suis en Bulgarie. Là ça fait depuis bientôt 3 semaines. Bientôt 3 semaines qu'on est en confinement. Au début on s'entraînait. D'accord. On s'entraînait, enfin, tous les 2 jours, le prépa physique, il convoquait 2, 3 joueurs. D'accord. Et on faisait du travail physique. Et là, depuis dimanche, ils ont annoncé que le championnat reprendrait que le 28 mai. D'accord. Donc du coup, jusqu'au 28 avril, on est, on va dire, en vacances. D'accord. Et du coup, bah, je ne suis pas rentré voir ma famille parce que comme je sais que le coronavirus, on peut être infecté sans le savoir, j'ai pas envie de prendre le risque d'infecter ma famille, donc je Ouais. reste en Bulgarie 3 semaines. D'accord. Donc c'est une bonne décision, histoire de passer le temps. Vous êtes suivi. Vous êtes suivi, vous allez à l'entraînement. Donc, pendant ton confinement, tu reçois un message de Carré Sport, Gaël de Carré Sport. Pourquoi t'as répondu? Franchement, parce qu'il y avait le mot Carré, tout D'accord. simplement. Donc je savais entre guillemets, ça concernait le pays. D'accord. Après, moi, parler avec ma communauté, je kiffe. Des fois, il y a des désaccords, des fois, mais l'important, c'est de, voilà, d'essayer de représenter comme on peut le pays à travers le monde, pour ma part. Et donc, ça me fait plaisir de pouvoir parler à un média, on va le dire, caribéen. D'accord, 100% local. Nous, on essaye franchement de mettre en avant les joueurs locaux et les joueurs antillo-guyanais qui évoluent dans le monde. Et on a franchement pensé à toi par rapport à ton parcours. Et je pense que du haut de tes 32 ans, tout le parcours que tu as déjà fait, c'est une expérience qui représente beaucoup. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de notre communauté qui peuvent retenir des choses positives dans toute ton expérience. Et revenons sur cette expérience. Sur les 6 pays que tu as fait, pourrais-tu me parler un peu du football? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué sur ces pays? Et en tant que jeune, si les jeunes ils doivent s'aventurer dans des pays comme lesquels tu as parcouru, je répète, donc c'est la première fois. Donc tu as fait l'Espagne, la France, tu as fait Bulgarie, tu as fait Corée du Sud, tu as fait Géorgie, Kazakhstan et Martinique. Donc, Ben, parlons un peu de ça ouais, alors. c'est simple, hein. Moi, tu as vu, j'ai commencé, donc j'étais en France, j'ai signé mon premier contrat pro à Nantes. Après, ça s'est pas très bien passé, on va dire c'est du 50-50, D'accord. mais je vais dire que moi, j'ai envie de prendre la responsabilité que ce soit un peu de ma faute. D'accord. Et ben, je voulais exercer mon métier, parce que je sais pas faire grand-chose, donc je me suis dit, voilà, si je dois aller quelque part, j'irai. Comme tu sais, dans le foot, ça va très vite. On Ouais. t'oublie très vite. Donc moi, en France, je n'avais pas beaucoup de choses. Et je suis allé en Espagne. Je suis allé en Espagne et là, j'ai découvert une autre façon de travailler, un autre football. C'est-à-dire, défini en fait pour les gens qui connaissent un peu le foot ou... Ce qu'on appelle le tiki-taka. On va dire, D'accord. j'ai connu, par exemple, la prépa physique en Espagne. Ça peut paraître paradoxal, mais tu cours pas. Tu Ok. fais beaucoup plus de muscles du bas du corps. D'accord. Donc, c'est une autre façon de travailler. Ensuite, bah, je me suis exilé donc, en Bulgarie parce que je voulais connaître qu'est-ce que ça fait de jouer en première division dans un pays. Ok, et donc là, à ce niveau, l'accueil des Bulgares, on Ouais, entend alors beaucoup moi, dans parler les deux, c'était d'eux. un peu.
gens, quand ils ne te connaissent pas, ils sont très froids. Ils sont très froids, ils sont très observateurs. Et eux, dans leur pays, c'est vraiment fais ce que tu veux, mais n'oublie pas que tu n'es pas chez toi. D'accord. Donc, ils regardent si tu es respectueux et tout ça. Bon, après, moi, ils ont vu que j'étais quelqu'un, j'aime bien rigoler et tout. Ouais. Et en plus, sur le terrain, ça se passait bien. Ouais. Parce que j'ai eu la chance de gagner, comme en Espagne d'ailleurs, mais là, j'ai eu la chance de gagner une coupe nationale et une super coupe. OK. Donc, j'ai eu l'opportunité de jouer la Coupe d'Europe. C'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. D'accord. Et après, bah, après ça, je suis allé en Géorgie. Bon, là, ça s'est vraiment pas bien passé, tant sur le terrain que à l'extérieur du terrain, parce que bon, c'est la première fois, j'ai eu des problèmes de paiement, Ouais. Et des problèmes de paiement et de la. Comment? au niveau football, comment ça se passait avec les entraîneurs ou Ben, j'ai eu l'occasion de jouer à la Champions League. Champions League? Je crois J'ai que été éliminé c'était. par le Dynamo Zagreb. D'accord. Et après, c'était dans le groupe de Lyon, dans les poules. Donc, niveau foot, franchement, je peux pas vraiment dire parce que je suis resté que 3 mois, 2 mois et demi là-bas. Ok. Quand j'ai vu qu'on n'était pas payé, je suis parti. D'accord. Je suis revenu en Bulgarie. De Bulgarie, j'ai été transféré au Kazakhstan. Alors là, c'est un autre monde. C'est-à-dire que c'est un pays vraiment. C'est un pays riche, mais la richesse, elle est mal disproportionnée, on va dire. OK. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai vu vraiment des gens très, 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 très pauvres. Les installations, pourtant on a des super salaires, c'est ça qui est bizarre. Ouais. Mais les installations, c'est vraiment pas top. Et le football, c'est. On va dire que tu as un peu de qualité, tu t'en sors vraiment. Il n'y a pas besoin d'être un génie. Tu as un peu de qualité, tu t'en sors. Et si tu es vraiment très fort, bah, tu es au-dessus du lot. Parce que tactiquement, ils sont très en retard. Et c'est pour ça que de plus en plus, il faut venir des coachs étrangers. D'accord. Donc j'ai fait 2 années où ça s'est super bien passé. Et là, je remercie la formation française. Ok. Pourquoi la formation française? Bah, parce que du coup, c'est là où on voit les lacunes des gens qui ne sont pas formés. On voit les lacunes des autres joueurs. Et ça m'a beaucoup servi. Et de là, bah, là, je pars en Corée du Sud. Donc là, c'était plus, bon, financièrement, c'était bien. Donc D'accord. ça a doublé mon salaire, voilà, pour être honnête, Ouais. j'aime pas cacher les choses. Mais je voulais jouer en Asie, moi. Bon, moi, à la base, je voulais plus jouer tout ce qui est Japon, Chine, OK. parce que on va dire des 3 pays principaux d'Asie, c'est les plus connus, quoi, c'est la Chine et le Japon. Ouais. Mais Corée du Sud, j'avais un ami, il m'a dit, viens, tu vas kiffer. Alors là, culturellement, un changement total. On À n'est quel niveau, pas dans le même monde. comment Bah, tout est c'était quoi? technologique. OK. Tout est vraiment axé sur la technologie. Au niveau du foot, pareil. C'est vraiment un autre travail. C'est-à-dire qu'on reste beaucoup sur le terrain. On travaille beaucoup tactiquement. Et quand je dis beaucoup, c'est 2 heures, 2 heures et quart par jour. OK. Beaucoup de vidéos. Franchement, c'est dur mentalement. Et aussi, bah, c'est pas la même chose que ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Par exemple, on arrive à l'entraînement le matin à 9h. Oui. On commence l'entraînement à 10h30. On finit tard, donc on va dire on mange vers 1h. Oui. Et après, on doit rester au club pour tout ce qui est soins. Même si tu n'en as pas besoin, tu dois rester au club Tu dois rester au club. pour tout ce qui est soins, sieste, tout ça. On remange vers 18h30 et après, on peut rentrer chez nous. Donc c'était un peu compliqué. Moi, j'avais du mal à m'adapter par rapport à ça. Mais par contre, le championnat, super bien structuré. C'est le meilleur championnat que j'ai fait au niveau des structures, OK. sans compter la France, parce que ça se ressemble. Ouais. Donc, des super stades, des super terrains, des médias de tous les côtés. Le championnat super bien organisé, plus que professionnel. Voilà quoi. Mais un petit paradoxe, puisque vous travaillez énormément, pourtant la Corée du Sud, en Coupe du Monde, ou c'est pas l'équipe qu'on va regarder. Donc pourquoi Ouais, autant de travail mais. et pas de rendu pour une équipe nationale sur ce que tu as Non, vécu? ils font la Est-ce que Coupe tu du as une Monde tout le opinion? temps. Ils font la Coupe du Monde tout le temps. C'est avec le Japon, c'est les 2 meilleurs pays d'Asie. Après, au niveau de la Ligue des Champions asiatiques, c'est eux qui ont le plus de titres. OK. Là, en ce moment, ils commencent à sortir des joueurs de Corée.
Bon, il y a le plus connu, c'est Huisson Ouais. de Tottenham. Ouais. C'est la grande star. Là, il y en a trois, deux ou trois qui sont en Liga. Il y en a un qui est à Bordeaux, il me semble. D'accord. Il y en a un autre, je ne sais plus, à Reims aussi. Et OK. il y en a un autre, mais je ne sais plus où. D'accord. Et ça avait déjà commencé à l'époque de Grenoble. Ils avaient ramené des Coréens. OK. Et voilà, là, ils commencent. Parce que il faut savoir que les Coréens, c'est une culture très à eux. Donc, ils ont du mal à sortir de leur pays. Et là, de plus en plus, ils commencent à sortir de leur pays. De plus en plus. Depuis la Coupe du Monde qu'ils ont organisée, ils ont commencé à faire en sorte que le football monte vers le haut. OK. Et d'ailleurs, on était dans les 15 meilleurs championnats du monde, il me semble. D'accord. Et après, tu te retrouves en Alors que là, je reviens ici. janvier en Ouais, que je Bulgarie. vais signer en Inde. En Inde. Pourquoi en Inde? Franchement, je voulais rester en Asie. J'ai un pote qui joue en Inde. Quand je lui ai dit que j'ai une offre là-bas, il m'a dit, tu viens, tu vas kiffer de fou. Ouais. C'est un autre pays. Je me suis dit, voilà, faire un autre pays ou être payé pour être dans un pays que tu veux faire en voyage, Ouais. pourquoi pas. Et en fait, au dernier moment, on s'est pas mis d'accord parce qu'il m'avait dit que de signer 6 mois, 1 an et demi. Et le jour avant de prendre l'avion, ils me disent 6 mois et on voit. Ok. Donc moi, voilà, j'ai 32 ans. Donc Ouais. moi, je voulais un contrat un peu longue durée. D'accord. Donc ici, j'ai signé 1 an et demi en Bulgarie. Un club que je connais, un club où on m'aime beaucoup. Ouais. Donc j'ai décidé de revenir, mais j'ai un peu dans l'idée d'essayer de repartir faire un dernier pays. Un dernier pays. Parce que c'est vrai, hein, j'ai déjà été quelques fois, et ça revient à dire ce que tu as mentionné. C'est deux mondes, hein. Tu vas avoir des super pauvres et tu vas avoir des super riches. Même la classe moyenne, elle s'en sort bien. Tout est grand, tout est super propre quand tu rentres dans les bons hôtels, dans les beaux endroits. Et après, tu as le monde de l'extérieur qui est totalement différent. Mais c'est un beau pays, la culture, elle est importante. Elle est importante et ils sont vachement respectueux. Donc, j'ai lu Confession intime, ou on va dire confession intime, ou confession de Mathias Coureur. J'ai failli, bon, c'était vachement touchant, c'était vachement bien écrit, et c'était touchant. Je reviens, je réutilise le mot paradoxe, parce qu'en lisant tes confessions, on peut voir qu'il y a une fragilité, mais tu es courageux quand même. Donc, comment arrives-tu à mentionner ou à gérer cela? Parce que je reviens dans le contexte, il t'est arrivé des galères dans tous les sens, usurpation d'identité, crise d'amour, l'entraîneur qui t'aime pas, tu n'es pas payé, tu reviens, tu te fais lyncher parce que tu n'as pas réussi, et tu repars. Et tu n'arrêtes pas de changer de pays avec cette fragilité. Comment t'arrives à mixer les deux? Moi, je vais te dire un truc très simple. Je vais te dire un truc que mon père il m'a toujours dit. On est croyant. Et mon père il m'a dit qu'il n'y a aucune épreuve que Dieu il te donne que tu ne peux pas surmonter. Donc à partir du moment où tu as ça dans la tête, c'est simple. Donc moi, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, j'essaie de me dire, voilà, ça va me permettre d'avancer. Ok. Et pour être honnête avec toi, les plus beaux moments de ma vie, ça a toujours été après avoir subi quelque chose. Ça a toujours été le plus beau moment de ma vie. Donc voilà, après moi j'assume ma fragilité dans le sens où j'ai pas envie de me mettre une carapace, parce que je sais qui je suis. Ouais. J'ai pas envie de me mettre une carapace. J'ai pas envie de mentir aux jeunes, parce qu'on leur fait croire que le foot c'est facile, c'est pas facile. Tu vois, il y en a qui se plaignent que les joueurs gagnent de l'argent, mais déjà c'est pas tous les joueurs. Ouais. Et de deux, c'est vraiment un monde difficile qui va durer entre 10 et 12 ans. Et même la vraie moyenne, c'est 5-6 ans. Et ça, les gens, ils ne le savent pas. Et voilà. Et moi, j'ai toujours rêvé d'être footballeur. C'est le seul truc que je sais faire. Et donc, j'allais laisser personne, quoi que ce soit, briser mon rêve, tout Ouais. simplement. Mais sur notre. Je vais parler de notre magazine parce qu'on a sorti un magazine aussi spécialement sur le foot local et sur le foot local et anti-guyanais. Et on sait chez nous, l'une de notre faiblesses, ce n'est pas notre habileté à jouer au foot ou sportive, c'est le mental. As-tu pensé à utiliser un préparateur mental? Parce que tu as mentionné aussi
C'était l'une de tes phrases. Le foot, tu peux travailler, mais si tu n'as pas le mental, tu n'y arrives pas. As-tu pensé à utiliser un préparateur mental ou pas? Et comment ça s'est passé? Parle-nous un peu d'expérience, ou parce que tu n'en parles pas du tout en fait, mais on voit qu'il y a un travail mental, spiritualité et mentale, comme tu l'as mentionné. Alors, ouais, j'ai un préparateur mental. C'est l'empreinte, l'Institut l'empreinte. Ok. Donc, pourquoi je travaille avec eux? Parce que tout simplement, j'ai vite compris que si ta tête, elle suit, sur le terrain, ça va suivre et ta vie, elle va suivre. Donc maintenant, j'utilise beaucoup, entre guillemets, je veux dire préceptes, mais ce n'est pas des préceptes, parce qu'en fait, c'est juste une ligne de conduite D'accord. qui fait en sorte que je ne me détourne pas de mon objectif. Donc voilà, donc je prépare. Donc c'est pour ça, j'ai subi beaucoup de choses et je pense que tant qu'on a un objectif et qu'on s'y fixe, il peut y avoir n'importe quelle embûche. Si tu es prêt enfin si tu le sais, tu sais qu'il y aura des embûches et que tu es prêt à atteindre ton objectif, ça arrivera rien. Ok, ouais, je comprends tout à fait. Et notre magazine, justement, parle de ça. Parce que beaucoup des jeunes antillo-guyanais, même localement, on oublie ce concept. On se rend compte qu'on va jouer contre en Gold Cup ou autre part. Ce qui fait la différence, c'est le mental. C'est-à-dire nos joueurs, un moment, un autre, ils s'oublient. Et ça paye cash. En plus, tu n'as pas très bien parlé de la Martinique, ton expérience là-bas, parce que là maintenant, tu es en Bulgarie, mais tu es retourné deux fois en Martinique aussi. Et Une fois. une fois, donc parce que sur Transfer Market c'était écrit deux fois, donc t'as joué Non, une pour fois. une fois, J'ai été en donc sélection, mais ok. sinon j'ai joué 6 mois au Golden Lion. Comment ça s'est Et passé? encore, une des meilleures choses de ma vie, une des meilleures décisions de ma vie, parce que Pourquoi? bah justement à ce moment-là, donc avec toutes mes galères, je voulais arrêter le foot. Franchement, je voulais arrêter le foot. Je me suis dit que c'était pas pour moi. Et en fait, tu vois la vraie vie. Tu vois des gens qui ne peuvent pas venir à l'entraînement parce que ils doivent travailler plus pour payer leur maison. Ouais. Tu vas t'entraîner avec quelqu'un qui a mal au dos, quelqu'un que sa mère elle a des problèmes, donc il est obligé de rester avec elle, ou quelque chose comme ça. Et moi, je me suis dit, moi, je joue au foot, je gagnais super bien ma vie, on s'occupait de moi, parce que c'est la vérité, on s'occupe de Ouais. nous. Ouais, remplir des papiers et tout, c'est depuis pas longtemps que je le fais, quoi. Sinon, je ne le faisais jamais. Moi, remplir une fiche d'imposition, c'est jamais moi qui l'ai fait, tu vois. Ouais. Donc, j'ai vu ce monde-là et je me suis rendu compte de la chance que j'avais. Et je me suis dit, voilà, tu as la chance d'avoir un petit talent qui peut te permettre, en plus de bien vivre, et en plus d'être heureux, parce que je côtoyais des gens qui faisaient un travail parce qu'il fallait travailler. Ouais, Et moi, c'est ce que j'aime. tout Donc, à fait. à partir de ce moment-là, ça m'a mis une claque et j'ai décidé que ça y est, j'allais plus jamais lâcher. Et retour en sélection, comment ça s'est passé ta sélection? Parce que je pense que dans l'ensemble, il y a eu un échange aussi qui s'est fait sur les réseaux sociaux avec Mario Bocali. Nous, on va pas trop tergiverser dessus. Mais il y a un truc que tu as retenu, c'est la différence entre les joueurs locaux et les joueurs de l'extérieur. Et en sachant qu'on veut représenter une nation, toi ayant vécu cette expérience, qui est ta propre expérience, qu'est-ce que tu penses qui doit changer ou qu'est-ce que tu penses qui doit être amélioré pour pouvoir aider notre masse, nation, la Martinique, à aller vers l'avant? À l'international. Moi, tu as vu, j'ai proposé beaucoup de choses, on est beaucoup tombé dessus, mais moi, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu as vu, comme tu as dit, il ne faut pas tergiverser. Moi, j'ai envie de dire à tout le monde qu'on naisse là-bas, qu'on vit là-bas, qu'on soit en métropole, qu'on soit né en métropole. Moi, je suis Martiniquais. Partout où je vais, en Bulgarie, je suis Martiniquais. Au Kazakhstan, je suis Martiniquais. En Corée, je suis Martiniquais. D'ailleurs, le plus souvent, quand je l'ai mentionné, c'est international Martiniquais. Donc moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de local, il n'y a pas de métropolitain ou de. C'est Martinique. C'est le pays Martinique. Moi, quand je viens jouer, je viens jouer pour la Martinique. Je viens pas jouer en tant que métropolitain qui vient jouer pour la sélection de la Martinique. Donc moi, j'aimerais bien que on se rende compte de ça.
Quand Chicharito est bien joué au Mexique, on ne dit pas c'est le mec d'Angleterre qui vient jouer au Mexique. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je suis dans un délire, on va dire. On représente un pays, tous. Tous. Après, il y en a, ont la chance ou pas de vivre là-bas. Parce que moi, je sais que, par exemple, en étant en métropole, pourtant, je suis né en Martinique, mais j'ai eu la Ouais. chance que mes parents soient venus en métropole. Ça m'a ouvert beaucoup de portes par rapport au foot. Ouais. Tu vois? Mais c'est pas moi qui ai décidé de pas vivre en Martinique, tu vois. Moi, Ouais. je sais que j'ai des petits manques par rapport à ça, tu vois. Mais j'ai été élevé, je pense, comme beaucoup de Martiniquais, dans la culture martiniquaise. Ouais. Je mange antillais, mes parents parlent créole, c'est ce que je veux dire. La musique que j'écoutais étant petit, c'est la musique antillaise. Ma tante, c'est Jocelyne Berroir. Donc, je pense que je suis autant Martiniquais qu'un Martiniquais qui a grandi là-bas. Ouais. Et donc, moi, c'est ce que je reprochais un peu à la sélection, qu'il y avait une différence entre les locaux et ceux qui venaient de l'extérieur. Moi, je trouve que c'est pas normal. Moi, je trouve qu'on est Martiniquais tous. Il Donc n'y a pas c'est de. ouais. C'est un pays. Ouais, tout à fait. Donc ces histoires, il faut vraiment en fait mélanger le dos et faire la différence, ne pas faire de différence. Concernant retour en sélection, c'est quelque chose d'imaginable, c'est quelque chose d'espérable, c'est quelque chose que tu as toujours en tête parce que j'entends la fierté d'être Martiniquais. As-tu effacé ou mis fin à ta carrière internationale ou pas? Moi, j'ai mis fin à ma carrière internationale sans l'avoir mis fin, tu vois. C'est pas moi qui ai décidé. Moi, j'ai juste donné un point de vue. J'ai juste donné un point de vue qui, à la base, est pour aider mon île, tu vois, aider mon pays. Maintenant, ils l'ont mal pris. Moi, je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit, parce que je sais que moi, j'ai dit la vérité. Et de toute manière, j'ai donné mon point de vue. Maintenant, un retour, je ne pense pas. Je pense que pour eux, ils m'ont barré de la liste. Moi, j'en veux à personne. Donc, La positivité, t'es un coach mental. Si maintenant Mario il t'appelle, il te dit, viens jouer avec nous. moi, je ne tournerai jamais le dos à mon pays. Ok, d'accord. Voilà, moi, s'il m'appelle, je viens avec plaisir. D'accord. Tu vois, moi, quand je fais les choses pour la sélection, malgré le fait que moi, je pense, par exemple, tu vois, et encore une fois, c'est le joueur qui parle, moi, je pense que je méritais plus de jouer que beaucoup, que j'avais le talent pour jouer plus que beaucoup de joueurs. Mais pour la sélection, je mettais mon ego de Ouais. côté. Tu vois, par exemple, Ouais. moi j'y allais vraiment pour représenter la Martinique. Moi, quand je suis ici en Bulgarie et qu'ils s'intéressent à la Martinique, ça me rend fier. Quand on m'appelle l'international martiniquais, ça me rend fier. Tu vois, quand en Espagne, mon surnom c'était le train de la Martinique, ça me rend Ouais. fier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, moi, c'est des choses. C'est pour ça que quand on m'est tombé dessus, j'en veux à personne. J'en veux vraiment à personne. Et beaucoup de gens m'ont tourné le dos. Beaucoup de gens sont venus me voir pour me dire que c'était la vérité, mais ne le dis pas. Dis pas mon nom, je veux pas de problème, je veux pas de tout Ouais. ça. Mais beaucoup de gens m'ont tourné le dos sans même comprendre la chose. T'as Ouais. vu, après, je ne veux pas rentrer dans Ouais, un. tout à fait. Je veux pas rentrer dans un débat, mais je vais te donner un exemple simple. J'ai fait une émission de radio en Martinique. Moi, José Goron, il m'a parlé que de la différence entre les locaux et les joueurs d'extérieur, alors que c'est un sujet que j'ai absolument pas parlé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais bon, après, C'est un c'est comme ça, choix. tu vois? C'est un choix personnel. Et nous, on essaie vachement de mettre en avant cette cohésion parce que je pense personnellement que c'est important de pouvoir représenter les couleurs à l'international. Je pense que Guadeloupe, Martinique, Guyane donnent beaucoup de possibilités aux joueurs locaux ou extérieurs. C'est quelque chose que nous ne devons pas négliger. Et comme tu as dit, c'est porter une image, donner une visibilité supplémentaire. Autre que le foot. Je fais la transition. Autre que le foot, tu es le parrain d'une association qui s'occupe. Je te laisse nous expliquer tout ça. Je suis parrain de l'association Humanité. D'ailleurs, vous pouvez suivre sur Instagram, Facebook et tout. Je fais ma pub. Hein. Non, pas de Mais souci. non, en fait, c'est une association, c'est simple. On aide n'importe qui. On ne fait pas attention à la religion. On ne fait pas attention à le pays. On s'en fout. Nous, on veut aider où on peut aider. Donc, on a fait des puits dans beaucoup de pays africains.
on a aidé les Syriens quand c'était la guerre chez eux. Ok. En ce moment, on a le Blue Project. Ça veut dire qu'on va dans les magasins comme Carrefour et tout, ce qu'ils jettent et qu'on peut encore manger. On nous fait payer 1 € symbolique pour pas que les gens ils pensent que c'est de la pitié. Ouais. Et on donne aux nécessiteux. On a fait des maraudes sur Paris pour quand il fait froid, pour les gens qui sont dehors, pour qu'ils puissent manger et avoir quelque chose de chaud sur eux. Et voilà, nous, on est prêts à aider n'importe où. Si les gens veulent être bénévoles, c'est super. Si les gens demandent un endroit, savent un endroit où est-ce qu'on peut aider, si on peut faire quelque chose, on ira. Mais voilà, moi, je pense que tu as vu, on est des êtres humains. On n'est pas tous nés avec la même chance, ouais. Mais on est tous pareils, en vrai. Donc, tout à si fait. On peut tous s'aider, ce serait le top. Et ça, c'est vachement important ce que tu as dit. On ressent ce besoin d'aider d'autres. Sur ça, as-tu un projet ou penses-tu avoir un projet sur la Martinique? Parce que je reviens sur toute l'expérience que tu as vécue, toutes tes galères. Et toutes ces galères, en fait, sont des galères que nos jeunes anti-guyanais pourront éviter ou peuvent éviter. As-tu un projet pour protéger nos jeunes ou pour éduquer nos jeunes qui veulent tenter l'expérience autre? Autre, et je dis autre parce que toi, tu as connu autre part que la France. Souvent, vas-y. Désolé de te couper. Non, excuse-moi. C'est correct, je ferais que tu avais fini. Bah, moi, en fait, j'avais un projet. Bon, là, ça va être dur à mener puisque j'ai pas que des amis, on va dire, dans la ville de Martinique. D'accord. Mais moi, j'avais un projet, en fait. Je sais que c'est très dur quand tu joues en Martinique de te faire repérer par un club. Donc, moi, je voulais utiliser mes contacts et proposer à des jeunes qui rêvent d'être footballeurs de venir jouer par exemple en Bulgarie, parce que je sais par exemple qu'ici, dans le club où je suis, demain si je leur ramène un joueur, ils peuvent m'écouter, parce ouais. que j'ai un peu de légitimité, tu vois. Pour donner une anecdote, il y a un Martiniquais, quand moi j'étais plus là, j'étais au Kazakhstan à ce moment-là, il est venu ici, il était à l'essai, il a dit qu'il était Martiniquais, la première phrase qu'ils lui ont dit c'est « tu connais Mathias Kruger ?» On ne le connaissait pas, tu vois. Ouais. Et ils l'ont pris parce qu'il était martiniquais. Tu vois, c'est ouais. un exemple tout bête. Hein. Ouais, c'est oui. un truc tout con. Mais quand tu réfléchis, tu te dis, ok, bah, peut-être que je peux aider ma communauté, tout simplement. Mais tu vois, c'est même pas que la Martinique, hein, si je peux aider n'importe qui. Mais moi, ça me ferait plus plaisir d'aider un martiniquais que autre chose, même si ouais. ça me ferait autant plaisir. Et concernant ce réseau, parce que il y a beaucoup de joueurs anti-guyanais, il y a des Martiniquais, des Guadeloupéens. Est-ce que vous fonctionnez en réseau? Est-ce que ça reste un réseau fermé, pas fermé? Est-ce que quand vous êtes là-bas, vous suivez un peu le championnat? Ou est-ce que vous avez toujours un regard sur comment je peux aider, d'où je viens, à se développer? Moi, j'ai essayé d'aider 2-3 joueurs. Après, moi, je te parle plus du Golden Lion parce que c'est où j'ai ouais. joué. Je connais un peu plus de gens là-bas. Quand ils étaient venus en France, j'ai fait venir... un recruteur du Havre, tu vois, pour regarder le match. Voilà, moi, après, je peux pas te dire que ça a aidé ou pas, mais bon, là, peut-être qu'il était là, il aurait pu remarquer quelqu'un, ouais. tu vois. Après, moi, je regarde un peu les résultats du Golden Lion, hein, plus ou moins. Ok. Et ouais, peut-être dans le futur, peut-être plus tard, pourquoi pas, si j'arrive à avoir des connexions aussi en Martinique. Si l'opportunité s'y presse, et comme moi j'ai toujours dit, les grosses têtes, entre guillemets, les joueurs un peu connus, c'est ce ouais. qu'ils devraient faire, parce que c'est ce qu'ils font beaucoup en Guadeloupe, c'est ce qu'ils ouais. font très 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 bien en Guadeloupe, et ce qu'on a encore du mal à faire en Martinique. Moi je pense que c'est user leur notoriété, ça coûte rien, ça coûte rien. Moi je suis pas assez connu, je pense, pour utiliser ma notoriété, mais voilà, moi en Bulgarie, avec plaisir, je pourrais le faire. Au Kazakhstan, pourquoi pas, j'ai encore des contacts là-bas et j'ai un petit pied en Corée du Sud. Même si ça s'est pas super bien passé pour moi, je pense qu'ils ont vu que ça va, tu vois, moi, ouais. je suis un bon joueur. Mais qu'il y en a d'autres. Par exemple, encore un exemple là qui me vient tout de suite en tête. Mon entraîneur là-bas, il me demandait pourquoi je n'étais pas appelé en sélection, il ne comprenait pas. D'accord. Et je lui ai dit, non, on a une très bonne sélection. Et c'était pendant la Gold Cup, je lui ai dit, bah, regardez le résumé du match. Mexique-Martinique, ouais. il était agréablement surpris.
Ah J'étais super surpris. Il m'a dit, mais attends, c'est des joueurs, ils jouent, j'ai dit, ben, la plupart ils jouent en Martinique, tu vois. ouais. Et pourtant, c'est ces mêmes personnes-là qui n'étaient pas trop contents qu'il y avait. Je ne vais pas dire qu'ils n'étaient pas trop contents, mais ils faisaient la différence entre locaux et. Le coup Tu est... vois? Ouais. Et moi, j'ai pas pensé à ça. Moi, je me suis dit, si ça peut en aider un, pourquoi pas? Toujours en fait essayer de pousser et donner une visibilité supplémentaire. Ouais, ouais. J'étais en train de me dire, avec tous ces pays, tu parles combien de langues? Alors moi, je parle espagnol couramment. D'accord. Après, l'anglais, on va dire que je peux tenir une conversation. Français, et je peux comprendre le bulgare. Je D'accord. peux pas tenir vraiment une conversation très très longtemps. Mais je peux comprendre le bulgare. Donc, quand on me dit quelque chose, je peux répondre, je peux comprendre. Et le russe un peu. Parce que ça se rapproche du bulgare. Donc, du coup, Et n'oublie pas le voilà. dernier, hein. Le dernier, n'oublie pas le dernier. Et t'as une autre langue que t'as dit Non, là. coréen, c'est trop dur. Et l'autre dernier alors. Ah, le pluriel? Ah! Bah, le pluriel, je comprends tout. Ok? Maintenant, pour parler, j'ai encore un peu honte. Tu vois? Je sais. Mais c'est paradoxal. Hein? Je Pourtant, sais. J'ai un mais comme cousin. j'ai pas grandi en le parlant, du coup, bah, mes parents me parlaient créole, je répondais en français. Ouais, je Et sais, ça je leur sais. fait plaisir quand je lâche des petites phrases, tu vois, ça leur fait plaisir. Même ma grand-mère, elle rigole tout le temps, tu vois. Ouais. J'espère que, enfin, moi, en tout cas, je veux que mes enfants, pour le minimum, ils comprennent le créole, tu vois. Ce que j'ai reproché un peu à ma soeur. Ouais. Donc, parce que je veux pas perdre ce patrimoine. Ouais. Donc j'espère que je ferai l'effort pour mes enfants. Non, mais je sais que parce que j'ai un cousin, c'est la même. Il a grandi en France. Et maintenant, il commence à parler créole. Il comprenait. Moi, j'arrivais parce que moi, j'ai grandi en Guadeloupe. Je lui parlais en créole et il me répondait en français. Maintenant, on a tous les deux grandi. On se parle en créole. La timidité, la honte, tout ça, c'est parti. Parce que si tu le comprends, c'est tu peux le parler. Donc, je pense aussi que ça, c'était une barrière qu'on mettait avant. Pas con, quand je dis je me mets pas dedans, mais c'était vraiment ah, ton accent est là-bas, machin, nanan. Et ça a Voilà. créé, et ça a créé un certain blocus, je veux dire, en anglais. Et voilà, mais je pense que ça ira. Et pour revenir sur ton point, peut-être, qui sait, un partenariat avec Carré Sport pour développer les joueurs. On sait jamais, hein? On sait jamais si ça peut aider, parce qu'on est en contact avec pas mal de jeunes, et ça nous arrive de recevoir des parents ou des gens qui nous disent, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut aider mon fils? Ou disons, c'est juste une parenthèse, mais c'est quelque chose. Ouais, moi ça me plaît, hein. Moi c'est les trucs, ça me plaît. Tu vois, après, moi le problème que j'ai, c'est que quand je me donne moi quelque chose, je veux le faire à 100%. Je Ouais. veux pas le faire à moitié. Donc là, à l'heure actuelle, aider, ouais, tu vois, je peux donner un numéro, je peux essayer de gratter quelque chose. Mais moi, vraiment, pour l'après-foot, si vraiment je m'investis dans un projet avec des Antillais, ouais, pourquoi pas, Ouais. moi, au contraire. Ce serait top. Mais après, pour l'instant, je sais pas ce que je vais faire après le foot. Mais je sais que avant, on va dire, l'embrouille avec la Ligue de Martinique, c'était vraiment, vraiment le projet. Ok. Donc je pense que je suis en train de penser à t'as fait Bein Sport, t'as fait 11 mondial, t'as fait d'autres médias sans les énumérer tous, et tu te retrouves maintenant sur Carré Sport. Peux-tu me dire quelle est la question que tu aurais aimé qu'on te pose, qu'on t'a jamais posée? Est-ce que je suis heureux? Es-tu On m'a jamais posé. heureux? Moi, je te la pose maintenant. Voilà. Es-tu heureux? Ben moi, je suis très heureux parce que j'ai vécu beaucoup de choses. Tu vois, et ma carrière, je pense que ça m'a fait grandir. Mais vraiment grandir, j'ai envie de te dire, spirituellement. Ok. Ça m'a fait grandir dans la façon de voir la vie. Ça m'a rendu meilleur homme, dans le sens où maintenant je suis vraiment dans le partage, parce que j'ai fait beaucoup de pays pauvres. Donc je suis vraiment dans le partage. Comme je t'ai dit, j'ai enlevé ma carapace, j'ai plus peur de me livrer, parce que je pense qu'un vrai homme, c'est quelqu'un qui arrive à se livrer pour aider quelqu'un à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Du coup, à chaque fois que je fais quelque chose, que je m'intéresse à quelque chose,
je le fais à 100%, alors qu'avant, peut-être pas. Parce que maintenant, j'ai plus peur du regard des autres. En fait, je m'en fous du regard des autres. En fait. Ouais. Moi, je pense que quand tu veux vivre ton rêve, en fait, il faut le faire. Et on s'en fout comment, on s'en fout. Tant que tu fais du mal à personne, il faut y aller à fond. Il ne faut pas regarder le regard des gens. Si tu regardes le regard des gens, ou tu essaies de te comparer à quelqu'un, eh ben, tu ne verras pas ta vie. Et j'ai compris ça en voyageant avec ma carrière. Et c'est ce qui me rend le plus heureux. Ben merci. Merci d'avoir partagé ça. Je pense que je ne peux rien rajouter sur ce que tu as dit. J'ai pu retenir une fierté. Fierté parce que notre slogan, c'est localement fier. Et j'insiste qu'on fait le maximum pour donner une visibilité internationale à nos Antillais-Guyanais. Pas de regret. Et c'est quelque chose que j'ai pu ressentir. Dans tout ce que tu as dit, t'as aucun regret parce que chaque étape, tu as pu faire la différence. Et la famille qui reste quelque chose d'ancré, que tu mentionnes très peu dans tous tes entretiens, mais je pense que c'est ton jardin secret et j'avais pas envie forcément d'aller dedans non plus. Et je pense que c'est quelque chose qui te définit toi aujourd'hui. Donc, en l'honneur et au nom de Carré Sport, je te remercie d'avoir pris le temps de nous consacrer ces quelques minutes. Je pense qu'on a fait 20 minutes, 25 minutes, je ne sais pas. Mais surtout, d'avoir réagi juste à un message sans vraiment savoir qui on était. Oh non, moi, ça me fait super plaisir. Encore une fois, c'est pour la communauté, donc encore plus. Moi, je trouve que je veux plus suivre ce que tu fais. Moi, je partagerai de mon côté. À tout moment, tu te retrouves dans un média bulgare. Donc, ça me ferait encore plus plaisir. Si tu te retrouves dans un média bulgare, je t'enverrai. Ok. Voilà, continue. Franchement, continue. Moi, je vais en parler autour de moi. Si tu as besoin d'interviewer des autres Martiniquais, pas de problème. Moi, d'accord. J'ai un cousin, je sais que ça t'intéresserait. Si tu veux, il y en a qu'un. Ok. Je suis en contact avec beaucoup d'Antillais. Continue. Franchement, c'est ça. Il faut qu'on soit solidaires tous ensemble. Je vais aller loin, mais comme ont été les descendants esclaves, pour s'en sortir, c'est la solidarité qui a primé. Il faut qu'on garde ça, parce que notre héritage il est tellement beau en vrai, on a tellement souffert que maintenant on ne peut pas se tirer dessus les uns les autres. On doit être ensemble, tous ensemble. Merci beaucoup. Mathias Coureur, 32 ans, 12 clubs, 6 pays.